Est-ce que tu es dans le pays en côté? Ne qui est ça illégal dans mes yeux, qui est le tête yo, leader communautaire, GNF en famille, GPEP, c'est eux-mêmes qui décident pour nous dire que à faire des mouvements dans divers côtés de pays là, surtout dans la région métropolitaine là. Et nous connaissons ensemble de mouvements que ça va faire là, déjà la cause. Plusieurs policiers mourir, déjà 4 policiers, on dit déjà ça va se parler parce que nèg yo Dieu pas camper, c'est Dieu Dieu pas camper et ils ont décidé attaquer commissariat yo, nous ca imaginer quantité de policiers capable mourir et nous ca imaginer toute quantité de simples citoyens qui capable mourir. Mais ça qui attire attention plus monde c'est parce que nèg yo dit il y a fait mouvement ça pour déchouquer Ariel Henry. Bon, c'est ça yo dit. Nous pas connait et yo dit yo dans la rue jeudi, yo dans la rue demain, nous pas connait pour qu'il est là jusqu'à ce que Ariel Henry lui-même l'ait quitté pouvoir, c'est non ça que eux-mêmes yo dit. Ariel Henry qui signé vendredi 1er mars là un accord montré été Jean Gabriel Lelan avec le président pays Kenya William Ruto pour ben autorisation avec Kenya pour venir entrer dans pays hein, avec 1000 officiers et pour que Kenya prenne tête mission ça. Ariel Henry dit l'a organisé élection 31 août 2025, qui donc Ariel Henry montré que l'île pour jusqu'à 2026. Nous pas connaît s'il a prêté. Est-ce que acteur Cap Bataille a accepté? Nous pas connaît. Sauf que c'est ça au comprend. Nous prêts à le garder, nous prêts à analyser avec invité nous matin. Et je dis à des événements, comment est-ce que Président, nous toujours été de bon côté population, malgré chaque jour, situation a vint détériorer, côté découragement total, bon côté peuple haïtien qui vivent en dedans pays, et spécialement diaspora, qui parle l'espoir, pour retourner la caille, tant que je dis, situation depuis 29 février, pour l'ouvrir, et 1er mars, situation toujours été très compliquée, surtout avec terreur, que nègre exam illégal, agent social, l'État, qui instauré yon insécurité, ou bien yon répression totale avec bandits, ou bien l'autre partie, c'est avec la police, les mobilisations dans l'arrière, malheureusement, dans le camp policier, la situation est très compliquée. À travers diverses vidéos que nous avons, pendant le 1er mars, la police a couché à terre, a demandé aux policiers replier pour chaler coup de balle, monsieur qui avec exam illégal, qui montre la situation. Guerre civile là, en dedans pays, il paraît extrêmement difficile. Ariel Henry, la déclaration, qui condamnait ensemble action que monsieur avec exam illégal a fait en dedans pays. Et li arrangel li mande pou famille yo continuer rete jam li même bon côté parle la accompagner ensemble des familles yo qui gen victime dans camp policier. Mais combien policiers qui victime déjà soit Ariel Henry accompagné, combien policiers qui victime déjà madame petit yo pou kounya dans la rue a passé misère, même l'école si moun sa ki pa ka payer. Responsable SPNH 17 là Gary Jean-Baptiste, li critique comportement autorité yo dans pire au niveau dans PNH là parce que la gen mobilisation populaire li fait quoi dernière mobilisation te gen 3000 policiers qui étaient mobilisés contre mobilisation anti-gouvernementale qui t'a fait yo. Li critique comportement autorité yo après plus passé 3 heures de temps policiers dans sous commissariat Bon Repos t'a fait appel au secours pour renfort, malheureusement pas de jambe gon réponse qui la cause que ensemble policiers ça perdit la vie. Commis sous commissariat Delma, Delma 3, il passé en bas flamme du feu pendant la journée à Blaise Peterson. Sans compter plus yon trentaine de machines dans le niveau capital là qui passaient en bas flamme du feu, monsieur qui est ami légal, qui réclamait qu'il y a goumé contre le gouvernement Ariel Henry. Blaise Peterson, est-ce que machine ça yon qui boule c'est pour Ariel Henry qui est? Jimmy Cherizier, on l'autre fois, il parlait. Il dit le pape fait bac, il a continué pendant, il fait quoi? Il partageait ses parties avec famille policière qui mourit dans quatre batailles là. Elle demande tout policier cap sécurisé ministre directeur général yo pour au moins yo abandonner poste yo parce que y a marché prend ministre ak directeur général yo. Et si policier continue à faire rébellion, c'est famille qui pral payer ça. Mais ça c'est yo, yo vle di ça, yo vle di ya, yo gen poids que yo gagne en bless personne. Nous pral garder ensemble pendant dans l'émission surtout avec invité que nous gagne là. Qui c'est sans doute qui sont experts qui cap mesurer ça cap passant dans pays à bless personne. C'est Jean-Louis, comment est Ephrem? Nous devons entrer à voir comme ça. Il bobo pour vous, c'est Jean-Louis. M'jeter de l'eau pour vous, mais dans nos grands mètres, l'âme salue. M'a connu qui soit quoi, frère? Aïe, bobo. Aïe, bobo. Bon, désivez les cadeaux, là, qui s'en ont quoi, comme des glatibolettes. Non, mais attendez, c'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Il pas dérangé comme haïtien parce que nous c'est descendre dans l'Afrique, nous c'est descendre dans Guinée, ça veut dire si nous disons bobo pour vous, il pas dérangé en rien dans la foi chrétienne, moi, dans la foi chrétienne, nous, et quelque chose, nous avons gardé là. Et parce que c'est bois caïman, t'es pas dans l'indépendance. Et maintenant, dans l'indépendance, nous. Blesse, moi, je suis en confirmé.
Ah, ok. Je me cache ça, non. Ok, d'accord. Nous sommes. Nettoie la couille. Trois plus gros lacs, qui est dans le Caraïbe, là, c'est là, nous sommes dans le département de la Tibonite. Là, nous sommes là, nous sommes un gros piment pour que la dame. Tu vois la troisième section, la gagne, donc, contre la couille, lui, contre la couille, ma poisse, celle-là, qui gagne, et bien, ma poisse, c'est là, pour papa, moi. Je me cache ça. Ah, je ne sais pas, mais on a celle-là, dépasse son paquet de bain. Mais c'est vrai, même pas me cacher ça d'ailleurs. Très bien. Bah, connaît. Bon, moi salue Blaise, moi salue des Ivénès, qui ont toujours un grand plaisir. Donc, on attend de gagner les quêtes, mais c'est son brave et danger. Et de l'attendre des reportages des Yabay Soutivé à la Tibonite, on est là comme un Tibonicien, un très régionaliste. C'est ça crié. Tout le temps des. Comme moun pa konn rayi moun papa ni maman pa remen ça mais sous tande yo de Serge Jean Ligon haine viscérale contre Ariel Henry consécution la Tibonite. Alors monsieur m'salue non m'salue tout auditeur auditrice m'salue capitaine tout internaut tout côté moun capitaine de radio un peu partout dans pays à tant à l'étranger et communauté haïtienne là moi prend plaisir là pour participer dans débat ensemble avec nous. Parce que là, il y a des paroles qui parlent, c'est paroles, je veux dire. Donc, une parole rassurante. Le peuple a besoin, on comprend que nous passé dans un moment vraiment difficile, désespérant. Et là, dans la période, ça y est, un Africain, un grand Orient Africain qui dit, là, dans la période de crise, que ce soit aux membres de l'opposition ou au pouvoir après la parole, les discours d'un homme d'État ou d'un homme politique ou d'une femme politique doivent être des discours rassurants. Inspirant confiance au niveau de la population qu'on doit parler. Alors, je réponds positivement à l'invitation parce que m'estimer, il y a des paroles qui pour parler. Et c'est pas n'importe qui parole, y a, c'est des paroles. Ça me fait dire, c'est des paroles importantes par rapport à crise pluridimensionnelle ou multidimensionnelle peuple a traversé pendant longtemps et particulièrement 13 ans PHTK fait au pouvoir, faut nous dire ça. Ouais, PHTK en grande partie responsable de ça n'a vivre là, ensemble avec la communauté internationale. Donc là, monsieur, m'a répondu à une question pendant une bonne vingtaine de minutes. On n'a pas les paroles, peuple, c'est moi, c'est dans le camp, peuple, ami. Non, nous avons des problèmes pour chronologie. Là, pas des problèmes, mais en tout cas, nous allons les marier. Et Serge Jean-Louis, nous connaissons clairement que je dis, hein, et ça qui est d'actualité, hein, et ou même tout, ou vivre comme acteur qui est dans la rien, hein, et autant de ou elle ou vivre tout, tant ce qui est dans la rien, hein, et autant de déclarations, tout, qui première réaction Serge Jean-Louis sous sa capacité en un pays, hein, et sous sa cap sortie comme déclaration, yo? Écoutez, Desi Venez, Blaise Pileson, vraiment, ça va passer dans le pays, tant qu'on regarde l'étranger. Mon premier remarque qu'on fait, tout ça va passer là, dans le pays, si on fait politique ou on est citoyen responsable, on thème pour utiliser, on absence de l'État. En absence de l'État, parlons des autorités, si en absence de l'État, par voie de conséquence, en absence des autorités légalement constituées, des autorités légitimes. À partir du moment où on constate pas que l'État, toute bagaille possible, y compris ça qui passe dans la métropolitaine aujourd'hui, un peu partout dans le pays, on est des bandes armées, et en général, qui toujours sous les yeux complaisants des autorités haïtiennes qu'on a pu évoluer dans la zone côté Yoyer, au point tel qu'on ancienne ministre moi-même t'ai déclaré zone yo, ce sont des territoires perdus pendant ces temps là on continue à toucher l'argent il fait preuve d'incapacité on preuve de on a vu des puissances. Pour tout le monde qui connaît bien le fonctionnement, la responsabilité d'un ministre dans un pays quelconque, secrétaire d'État ou souverain, premier ministre ou président de la République. Donc, à partir de ce moment, bah, il s'est arrivé. C'est certain que, en absence de l'État, en absence des autorités légalement constituées, rappelons que c'est, bah, là, t'es commencé, Martissan, et Ariel Vinjonia Martissan, et Ariel Toutpéa, une gangsterisée. Et ma frère, plomb, bagaille, me dit, pour moi, t'es cohérent, et on qui est habitué dans des murs, moi, toujours dit, insécurité, ça blaise, Venesse, capitaine Dimla,
et tout le monde, insécurité, ça, son insécurité planifiée, organisée par les autorités haïtiennes, supportées par une certaine communauté internationale. C'est ça qui est là, je dis, hein. Tout le monde connaît. Ça m'a pris là, il y a des gens qui va parler d'ili, mais même toujours d'ili, je dois assumer responsabilité, moi, parce que ça qu'a fait là, c'est colonial, qui arrive au côté, je dirais, qu'elle dépassait monsieur Yo, mais ça qu'a fait là, c'est pour nous clair, c'est communauté internationale là, c'est les autorités haïtiennes qui ont même balle naissance, comprendre, et ils ont toujours qu'on fait, mais sauf le bon, deux ou trois exemples. On va aller rapide. Il était toujours qu'on fait. Les fêtes sous Duvalier. Rapport SOS, les mandats bipolaires. Les États-Unis associés avec le gouvernement de Duvalier pour combattre le communisme en Haïti qui ont identifié Kaboukin. Protéger le gouvernement américain. Des gouvernements américains. Il fait pendant des années. Les Duvalier tombés sous l'amphi, il fait attacher. Son groupe parallèle par rapport à l'institution, mais tout ça au temps de là, hein, c'est pour combattre les opposants, pour disparaître, assassiner les opposants. Il fait pendant et avril tout, le ça, puis ce père Zenglin d'eau, il vient dans Zenglin d'eau, en train de frapper de bail de ce genre, et puis il va le faire pendant 307 mois, contre le coup d'état de Jean-Bertrand Aristide, les ouvines avec frappe, les ouvines avec frappe. Les ambassades américaines avant en sécurité d'État que les Gerin Schrader, qui monsieur, il crée une frappe là. Différence qui était gagnée dans la période de ça, il va être institutionnalisé, il fait ma route. Il fait milice, il mettait sous contrôle. Nafi, t'es plus ou moins contrôlé. Avril, ils ont demandé, ouais, les livres pendant 7 septembre 91 ans, ils ont institutionnalisé, ils ont baillé chaque même frappe, ils ont 4, ils ont contrôlé. Différence qui gagne aujourd'hui, hein. Yo fait les pas institutionnalisés et pas de chamatin niveau ça. Mais toujours est-il, c'est sous les yeux complaisants du pouvoir et de la communauté internationale. Ça a mieux sorti aux États-Unis, en grande partie transité par la République dominicaine. Moi-même, j'assume ce que je dis comme vérité et ça a pas une personne, aucun diplomate pas qu'à démentir ça maintenant là. Parce que Haïti pas fait ça. Et il y a eu ton paquet de mon États-Unis. États-Unis dans ce sens-là, on comprend qui kidnappe. Donc, ça qui passe là, je veux dire, il n'est pas étonné, moi. Cependant, il crée, ça me t'a dit, Kaimoun, il suscite Kaimoun des questionnements. Il y a plusieurs questionnements qu'il a fait. Il y a un qui dit, c'est pouvoir faire stratégie. Il y a un monde qui dit, c'est pouvoir faire stratégie. Il y a un monde qui dit, non. Mais ou même, ok, de tout ça, tout ça, on a dit à ces gens-là, mais ou même comme acteur politique et comme ancien député, ancien parlementaire, qui sont dit de sa capacité? En bas de ça, on a dit, mais qui sont dit ou même en soi? Même fin de questionnement, mon Dieu. Parce que je prends du temps, je ne vais pas parler. C'est sous première radio, l'orée, non, oui, comme je ne vais pas m'opiner. Oui, le matin, je ne vais pas m'opiner. Parce qu'il faut me comprendre ce qui passe là. Et mais ça, je comprends. Je dis en partant de la logique. Que l'État pas existé. Ça me saute dit là-dessus, t'es renforcé par la caducité de l'accord du 21 décembre 2024, hein, que Ariel te doit remettre pouvoir, de doit remettre pouvoir, c'est pas moi qui dis, c'est yo que te dit, on y a là, dans ce qui vient arriver là, il ne sait pas qu'il y a ni légitimité, ni légalité, il ne va pas arriver soit à quoi, soit parler là, peut-être, mais qu'on est sinon arrivé sur ça, il ne va pas arriver, mais il ne va pas arriver à autorité, ni titre et qualité pour l'engager payer dans quoi que ce soit. Qu'on y a, même si les balis, ça me va arriver, mais l'interprétation, pas non, c'est même si tu es qu'un bel sous-pouvoir, qui estime après 31 mois ou 32 mois, ce premier ministre, le plus médiocre, le plus nul en matière politique, il est le plus souciant, le plus irresponsable, hein, de tous les premiers ministres que j'ai connus, de Martial Célestin jusqu'au dernier premier ministre de Jovenel Moïse, j'ai jamais vu un premier ministre aussi médiocre, aussi nul. Après 32 mois, traînant derrière lui un bilan catastrophique. Et ceci de tous les domaines. J'étais le premier à dire
tous les indicateurs de ce gouvernement sont au rouge. Depuis le premier anniversaire, M. Alain Nota by bilan. Et après ça, pour le reste, tout le monde a répété. Donc, à partir de ce moment, mes interprétations personnelles, mais ma lecture personnelle de ce qui se passe, moun kap évolué là-haut, même mec te bay monsieur pour le cri bay sa yo, pour moi, yo échappé sous contrôle li, yo bay yo on lot ou d'ordre, et ce mot d'ordre, que j'estime que je vais être vrai, qui allait dans le sens contraire par rapport à l'orientation du pouvoir, parce que l'on a dirigé un pays, si m'a dirigé un pays, pays a impraticable, pays a instable, instabilité a une dépression plus chronique. Pendant m'a dirigé, ça veut dire, je suis incapable. On m'a perdu contrôle totalement pays a. À partir de ce moment, moi, pensez, bâton a changé maître. Et ça va là, comment vous? C'est Jean-Louis, non, commencement et élément de réponse que vous posez, me déposez avec question, me déposez ça, que ça, réaction sur ça qui a passé en un pays, on dit, et pendant 24 à 48 heures, ça y est. Et ce qui est sur situation qui a passé en termes de attaque armée a fait là, ou t'es avancé un test qui dit que ou parlez de absence et l'État qui vient avec une absence autorité, ok, qui vient comme qui vient sortir en de absence l'État. Lorsqu'on connaît l'État lui-même, son l'État qui permanent, l'État existe toujours, ça, et le pouvoir est éphémère, est provisoire. Qui ça qui fait que l'État, absence l'État, ça lui-même, je dis, hein, l'équipe par de responsabilité dans sa gain là. Et là, on parle de l'État, absence l'État, et de qui autorité en dedans l'État qui est responsable et qui mène nous à ça, la vie, je dis. Hein. Parce que, ou même si m'entrou dans l'État et dans le pouvoir, comme ancien député, est-ce que m'a dit Sergent lui, l'été député dans et Marchand de Saline, dans le Parlement, est-ce que l'été font travail comme député qui te permettent que je dis, hein, l'État n'a pas de niveau faillite, ça, avec de autorité qui passent après elle, qui vient mettre dans sa nid là, Sergent lui? Par contre, sous ces 10 questions. Hein. Ce sont très belles questions, mais ce sont des questions que demandé on analyse. Comparé de deux périodes totalement différentes. Mm-hmm. Et ma réponse dans la période côté noël là, côté me parler de l'absence de l'État. Mm-hmm. N'importe qui monde qui grand intellectuel n'est qui connaît qui étudie dans le domaine sur fonctionnement de l'État, droit constitutionnel ou comprendre bah ça yo et qui connaît les conditions matérielles de l'existence de l'État, tout ça m'a dit là, connaît ça m'a dit là. Il y a une définition Blaise. Mm-hmm. Les événements sur bail pour l'État, c'est mm-hmm. que depuis gagner un territoire, ça veut dire espace territorial, bien population et les services de base sont garantis. Yo dit l'ikel l'État. Yo t'as bien mm-hmm. un population, mm-hmm. deux territoires, trois services de base. Tous les trois ça va pas correspondre. Mm-hmm. Sous parler des territoires. Ou pas qu'on va un territoire, on va avoir l'État pour un territoire perdu. C'est ce que ça veut dire. On va avoir l'État dans un pays, Blaise, pour des milliers de monde à quitter des zones, yo, côté au fait, yo, grandi là. Yo, tous troisième génération à quitter pour aller dominer un petit coup, lui, quitter belle caillou, yo, pour aller dominer un petit coup, le côté de l'État. Qu'on y a sur les services de base, soit parler là, non, Port-au-Prince, pas gagner l'électricité. Je ne peux pas la voir là, sinon inverter, me bloquer le téléphone, me résister avant. Ouais, pas rien comme service de base. Ouais, puis, on va parler de qui population. On parle partie de là, d'ailleurs, après l'autre. Eh bien, oui, ton absence de l'État. La première mission, ou la mission régalienne de l'État, ou la mission régalienne de l'État, c'est de garantir la sécurité à chaque citoyen, à chaque citoyenne, quel que soit côté retrouvé sous territoire. Et même bon bail où il est et conditions d'extraterritorialité, ça veut dire quand on est là aux États-Unis, hein, bon ambassade de ambassade d'Haïti la donne, c'est territoire haïtien. Sous une situation difficile aux États-Unis d'Amérique, l'État haïtien quand même fait pour venir pour les coco États-Unis fait coco la française quand on l'a même fait, si moi allemand gros problème en Haïti, gouvernement allemand va intervenir carrément, oui, à travers l'ambassade de Boulogne souvent. Donc à partir de là, il y a l'autre définition. Il parle de l'État comme personne morale. Comment on a l'État comme personne morale? La corruption devient la norme dans l'État. Ça. Entre la corruption et la moralité, il n'y a aucun rapport.
on t'a gagné trois propices, une définition de absence de l'État. Donc, si absence de l'État, automatiquement, pour nous-mêmes, même si on a des autres qui soient disant autorité, on perdit ou on l'a comme autorité. On est ministre de l'Intérieur des collectivités territoriales. Il y a des problèmes qui posent là, en pleine. On n'est pas capable d'intervenir sous territoire. Mariani, c'est le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Comprenez ça, nous là? Donc, il doit prendre le cas ministre de la Justice pour. Il doit prendre le cas de le ministre de la Justice. Comprenez ça, nous là? Par exemple, le paquet de Port-au-Prince, le palais de justice d'Haïti, de Port-au-Prince, s'est ouvert au bicentenaire. Côté-lui. Il y a même un an, combien de mois, ou presque deux ans, l'État a quitté le peut-être bandit. Vous avez ça, Abdou? L'État a quitté le peut-être. Le Parlement haïtien s'est ouvert au bicentenaire. Depuis un certain moment, même s'il est fondé, si bah vestige d'intégrité t'es comme bah bon la meilleure tu fais pas qu'il y a aucun monde qui cache ici là non pas qu'aucun siège qui dérape non les 10 sénateurs restants siègent avec Alain Beldéry. Donc c'est une façon de vous dire pas mettre cohérent avec moi mettre cohérent avec tête moi donc pas que l'État et si t'es que l'État tout sort pas d'argent passé Marouane si me donne une mission régalienne de l'État c'est de garantir la sécurité à ses fils et à chaque fils à chaque fille quel que soit côté, y compris territoire, quel que soit guerre. Donc, à partir de ce moment, il y a fait. Et puis, continuez aussi une comparaison. Entre période PAMNA et période SACAP-PASSECONIA, l'État existait et l'État était représentatif vers les années 1991. J'étais député au Parlement, membre de la 45e législature, élu sous la bannière du Fonds national pour le changement et la démocratie, représentant la circonscription, Marchand des Salines. Le Parlement fonctionnait. Les collectivités territoriales existaient. Tu vois? Donc, le pouvoir exécutif était représentatif. Les délégués, vice-délégués, éco. Et puis, quand même, dites-moi si vous voulez, s'il y avait un problème, Marchand des Salines, les vice-délégués d'alors, les délégués départementaux au nom du pouvoir du président de la République, avaient intervenu. Okay. Et puis, le Parlement, pas maintenant, la Constitution a identifié trois principaux pouvoirs dans le ministère qui est mandé, non? Même si, c'était ce gouvernement pas lui, député Marchand des Salines, ministre de la Justice, qui était premier ministre de la Justice de Jean-Bertrand ici, c'est-à-dire un cousin papa, oui. Ben, avec ça? N'a pas essayé de faire réponse à Picou de Saint-Jean-Louis pour nous permettre avec pour commencer avec de l'autre question. Bon conclure là, comme ça me l'a dit, par rapport avec l'analyse comparée, mais ça me l'a dit. La période ça, Parlement toujours rôle convenablement, comme président toujours rôle, comme les collectivités toujours rôle, parce que on va débiter pour aller faire route, ou pas le faire route, ou pas le construire, c'est ou pas le construire, c'est là. Ça n'a pas existé, les principales fonctions de parlementaire, les principales fonctions du pouvoir législatif. Donc, c'est ça, que je voulais dire. Donc, c'est analyse qu'on va dire, c'est deux mondes totalement différents. Et je dis, moi, j'étais sous thèse, pas que l'État.